Waouh! Bonjour la frère et soeur, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et quand vous abonnez, activez la cloche, ne pas manquer la sortie de nos prochaines vidéos. Et moi, j'ai envie de vous parler d'une chose hors du commun. Une chose que j'ai vue depuis quelques jours. Et comme Dieu dit, c'est lui qui dispose tout. Enfin, je vais vous en parler. Mes frères et soeurs, c'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Écoutez-moi bien. Si vous avez une soeur que vous aimez bien, appelez votre soeur, dites à votre soeur de venir regarder la vidéo. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens? Les gens aujourd'hui, pour avoir du succès, plus de succès, plus d'argent, parce que c'est ce que ça veut dire, ces gens-là décident de faire de n'importe quoi maintenant, du grand n'importe quoi. Je vais prendre chez une femme, parce que c'est ça qui m'a un peu choqué. On pouvait parler de cette femme, prenez, et à deuxième lieu, parler des hommes. Écoutez-moi très bien. Ça va vous aider dans la vie. Vous pouvez ne pas comprendre d'abord. Mais quand vous serez confronté à la situation, là vous allez bien comprendre. Mais écoutez très bien ce que nous allons vous dire. J'ai vu une jeune fille. Elle travaille sur les réseaux sociaux. Elle aussi, c'est une collègue. C'est-à-dire faire des vidéos sur YouTube. Quand elle a commencé, c'est comme tout le monde. C'était avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Mais à un moment donné, elle a commencé à avoir du succès. Elle a commencé à être vue. Elle a tout de suite reçu des invitations passées par là, même à la télévision. Et comme elle était compétente, elle a encore assuré. Sa renommée a commencé à s'agrandir. Maintenant, elle a vu qu'elle devient hors du commun. Maintenant, tu as vu que tu deviens hors du commun, tu commences à avoir du succès. Qu'est-ce que ça dit maintenant? C'est à ce moment-là, elle s'est dit, j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à avoir du succès, tout ça. J'ai l'impression que je deviens une femme de haute classe. Il faut que je fasse tout pour me mettre dans cette position-là. Pour cela, il va falloir que je corrige d'une manière ou d'une autre tous mes défauts. Elle veut corriger tous ses défauts. Et elle parle de ses défauts physiques. Vous savez, quand une femme parle de ses défauts physiques, elle regarde son corps, regarde tout ça. Et elle se dit, oh bon, ce qui attire les gens aujourd'hui, ce sont les fesses. Il faut que moi j'aille voir les gens pour qu'on me refasse les seins. Bon, les fesses. Ou elle va dire, oh, vous savez, ce sont les seins. Il faut que j'aille voir les gens pour qu'on me positionne des seins artificiels sur moi. Et elle a opté pour les seins. Se faire changer les seins. Mon Dieu. Ah, imaginez, vous avez l'habitude de voir une fille avec des seins qui sont normaux. Et un jour, vous voyez que sa poitrine est devenue boum, comme ça, boum. Même si vous allez vous poser la question. Ou bien, même bien sûr que oui. Elle allait se faire changer des seins, les seins, tout ça. Maintenant, elle se fait changer des seins. Elle a fait dans l'intention de devenir plus célèbre et que ça tue le regard des gens qui ne la connaissaient pas au départ, qui ne l'avaient pas vue. Dans ces moments où elle avait même peut-être des seins normaux. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Puisqu'elle sait que ce sont les seins, elle regarde. Et que ça fait que ça augmente son audience et que l'argent rentre beaucoup. Elle va maintenant exposer ses seins d'une manière à ce que tout le monde comprenne que c'est ça qu'elle a en train de montrer. Sur Instagram, c'est gâté! Depuis que la fille a fait changer ses seins, elle tire des photos et ce sont ses seins, c'est mon voix.
si c'est notre fille qui a changé l'arrière, derrière, ah, c'est ça seulement que vous allez voir. Et la fille, elle a commencé à faire ça. Elle a même encore toujours son succès. Elle a toujours son succès, elle évolue comme ça. Et mon Dieu. Là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Quelqu'un qui est intelligent m'a dit, ah, mais elle est en train de séduire les gens pour avoir son argent. Une autre personne m'a dit, mais si ça lui permet d'avoir son argent, quel est le problème avec toi? Quel est le problème avec toi? Ou bien tu es jaloux? Hey, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas que l'argent est limité. L'argent ne sert qu'aux gens qui sont vivants. Parce que quand vous êtes mort, tout le monde pleure. Et puis, votre argent est dilapidé. Mais vos œuvres vous accompagnent. Elle ne sait pas que ce qu'elle est en train de faire là, c'est même ça qui va la plonger dans les problèmes. Plus tard, c'est pas maintenant, mais c'est plus tard, des années après. Ce que vous faites aujourd'hui va vous rattraper demain. Celui qui sème quelque chose de bon va être content demain. Mais si tu sèmes quelque chose de mauvais, tu vas payer pour ça. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu vous dise, lève ta main vers Dieu. Vous dites, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Ah, qu'est-ce qui n'a pas marché avec moi? Par ignorance, j'ai fait tant de choses, pardonne-moi. Elle ne sait pas en ce moment. Elle a été exposée sur ces siens comme ça. Elle parle en anglais. Peut-être qu'elle va voir cette vidéo. Elle ne va pas comprendre parce que c'est en français. Ceux qui comprennent anglais, faites attention. Maintenant, j'ai vu un deuxième cas là, mais tu vas toucher les hommes. Quelqu'un veut devenir grand. Et cette personne veut devenir, par exemple, célèbre. Et pour y arriver, cette personne va aller voir les féticheurs, les marabouts. Et pour que ces gens-là puissent faire un travail spirituel afin de faire en sorte que tout le monde soit soumis à elle. Genre, toi, tu veux devenir président. Et pour que tu deviennes président, là, il faut forcément que tu aies des gens derrière toi. Et pour qu'il y ait des gens derrière toi, toi tu dis qu'il faut vraiment que tu ailles voir les gens, des gens mystiques, afin qu'ils puissent faire un travail mystique pour toi, de sorte que quand tu parles, tout le monde accepte. Et tout ce que tu dis, tout le monde accepte aussi, même s'ils ne comprennent rien, qu'ils acceptent seulement et qu'ils te suivent. Les gens qui sont en train de faire ça, oui, tu vas dire, mais où est le problème? Si cette personne a fait que ça l'arrange et puis ça lui permet de nourrir sa famille, tout ça. Mes frères et sœurs, les gens sont morts, ils ont laissé leur famille ici, ils sont partis. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Il faut que vous nous se dise la vérité. Si tu n'as pas commencé bien et que tu es mort comme ça, tu vas te retrouver après dans les problèmes. Parce que tu vas rendre compte à Dieu pour tout ça. Tu es en train d'envoûter les gens avec les démons qui t'accompagnent pour pouvoir avoir ton succès ou bien être bien positionné sur cette terre dans telle ou telle entreprise. Faites attention. Vous ne savez pas ce que les gens font en ce moment. Chaque année, chaque fin d'année comme ça, là, les gens vont faire des sacrifices bizarres parce que c'est ce qu'ils doivent faire pour maintenir leur pouvoir, maintenir leur force. Parce que c'est ce qu'ils ont fait hier là qui la rattrape aujourd'hui. Quand une personne se lève et elle va voir le diable pour que le diable puisse affermir son pouvoir, ce sont les démons qui vont accompagner cette personne. Et les démons qui vont accompagner cette personne là, ce seront encore les mêmes démons là qui vont venir avaler la personne à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est toi qui regardes. Tu as eu un lien avec des féticheurs ou le diable.
sache qu'il y a des démons derrière toi. Ou si tu as des fétiches. Tu as des fétiches, si tu as fétiches et tes canaries, tu comptes. Il faut savoir que tu as même des problèmes. Tes canaries, là, faut te bouffer un jour. Tes fétiches, là, faut te tuer un jour. C'est même ça qui a ta valeur. C'est pourquoi dans la vie, il faut faire attention sur comment nous sommes en train de faire pour gagner notre argent. Il y a des gens qui sont sur Internet, eux, leur travail, c'est de salir le nom des gens pour avoir de l'argent, pour se faire de l'argent. Tu es dedans aussi. C'est mauvais. C'est mauvais. On récolte toujours ce qu'on sème. On récolte toujours ce qu'on sème. Si tu es intelligent, dès à présent, répands-toi. Répands-toi. Ah, répands-toi dès. Faut me croire aujourd'hui. Faut me croire. Ça fait une semaine que j'étais de réfléchir par rapport à cette affaire. J'ai dit, mais ah, comment j'ai fait pour vous parler de ça? La fille, la parole du succès. Elle allait se faire changer les seins. Changer les fesses. Et puis voici aujourd'hui. Elle a tenté de séduire les gens pour avoir ce qu'elle a. Ça veut dire que ce qu'elle a aujourd'hui ou elle aura aujourd'hui là, ça sera le fruit de son péché. Et à la fin, il va falloir qu'elle paye pour ça. Qu'en pensez-vous maintenant? Qu'en pensez-vous? C'est comme une personne qui a fraudé pour avoir un poste où tu n'as pas le diplôme. C'est pas toi, tu n'as pas le diplôme. Mais tu as un poste, tu occupes un poste. En fait, tu as quelqu'un à composer. Tu travailles avec le diplôme de quelqu'un d'autre. Tout ça là, c'est dedans. Ce sont des péchés là, de faire. Mais on doit se repentir, oh, on doit se repentir. Il faut être dès à présent dans la légalité pour ne pas que ça vous rattrape demain. Mes frères et sœurs, bon, abonnez-vous. Dites-moi, je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. C'est juste prêt. Pourquoi est-ce que vous avez passé la partie commentaire? Et c'est parti. Waouh. C'est vraiment inquiétant.